Eh bien salut à tous les amis, Cédric 6, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va au top du top comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui nous n'allons pas enfiler des perles les gars, car je suis avec une brigade d'élite et très prestigieuse de la police nationale, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est l'équivalent du raid, seulement c'est une brigade un petit peu différente qui lutte principalement contre les commandos et le terrorisme. Regardez, c'est marqué dans nos gilets, hein, BRI anti-commando. Là, vous voyez à ma petite escouade qui est à côté de moi. Nous sommes actuellement au quartier général. Je vais vous présenter d'ici quelques secondes les quelques véhicules que j'ai à ma disposition pour, mener à bien mes missions, excusez-moi. Mais avant ça, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper, c'est très important. Venez également sur mon Discord et si jamais vous souhaitez payer vos jeux moins chers, n'hésitez pas à suivre mon lien Instant Gaming en description. Alors les gars, regardez, actuellement j'ai un petit Volkswagen Amarok BRI, un véhicule disponible au téléchargement sur Urgence Mode, un véhicule de Locksmith. Rien n'est de moi sur ce véhicule là, je l'ai déjà utilisé il y a de ça quelques temps, mais il ne me semble pas que c'était ma texture, ou alors j'avais déjà utilisé celle de Locksmith. Regardez, franchement, il est plutôt cool. Celui-là, ça va être mon véhicule. C'est un petit peu le véhicule du patron, ça, hein, le véhicule léger. Et derrière, nous avons un petit Renault Master équipé avec du rangement à l'arrière pour ranger toutes nos armes, nos boucliers, nos robots. Un petit peu tout le matériel que nous allons retrouver en intervention. Là-bas, j'ai également un second Master. Et là, nous avons un véhicule un petit peu blindé de la BRI que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui, car aujourd'hui, mon escouade et moi allons partir uniquement avec le Master et le Amarok en intervention. Les amis, avant de commencer quoi que ce soit, petite nouveauté, je vais modifier quelques petites choses sur la chaîne YouTube. Par exemple, l'heure de sortie des vidéos. Jusque maintenant, elles sortaient à 7h du matin. Seulement, dorénavant, je vais les publier à 17h. Je vais essayer quelques changements comme ça. Je vais essayer de faire quelques changements au niveau des titres et des miniatures également pour redonner un petit peu de nouveauté à cette chaîne YouTube. Donc 17h, dites-moi en commentaire si ça vous convient. De toute manière, je vais tester pendant quelques jours. Si jamais je vois que vous préférez ça, eh bien ça va rester comme ça. Et si jamais je vois que vous préfériez avant, je vais revenir à 7h du matin. Dans tous les cas, si jamais la vidéo sort à 17h et que vous ne pouvez pas la regarder, eh bien le soir même, vous avez tout le reste de la semaine ou même le lendemain matin au petit déjeuner comme vous faisiez avant. Allez, ce que l'on va faire là les gars, c'est qu'on va arrêter de discuter parce que là on n'est pas là pour enfiler des perles comme je vous l'ai dit. Durant cette intro, nous allons tout simplement nous mettre disponibles et répondre aux appels d'urgence. Allez, à tout de suite, on se retrouve dès que ça bouge en ville. Attention all units, assault with a deadly weapon in West Vinewood. Ok. Ok les gars, là il y a une intervention qui vient de tomber. Une personne qui serait armée et ce serait du terrorisme. Donc allez, tout le monde monte dans les véhicules là. On se dépêche. Wow. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est ça? Attendez les gars, c'est quoi ça? C'est qui lui? Ok, on va l'interpeller. Arrêtez-vous là! Ok, il est neutralisé, il est neutralisé. Est-ce que tout le monde va bien là les gars dans l'équipage? Ok, allez, on remonte dans le véhicule. Ok les gars, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis pas là pour faire dans la dentelle. Donc c'est parti, on y va, on part sur notre intervention. L'individu là, il a pris une sacrée bastos, hein. Une belle rafale. Ah ouais, bon là par contre on va être gêné ici si jamais il nous ouvre pas. Ok, si c'est bon. Ok, allez le master, engage-toi. La barrière les gars. Ok, c'est parti les gars, on s'engage là, 3 km. Hein. Le master, il va nous rejoindre. On se dépêche d'y aller. Oh là, il est sacrément silencieux ce véhicule là. Ok, super. Par contre, les collègues avec le master, j'ai l'impression qu'ils vont jamais arriver. Hein. Et on dirait un véhicule électrique, il fait aucun bruit ce véhicule là. Hein. C'est étrange. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, c'est pas grave, certainement un problème de paramétrage. Hein. Il en est où le véhicule, le master? Ok, il arrive, il a pris la route. Super, ils ont trouvé la sortie. Ok, on est à un peu plus d'un kilomètre 5, les gars. Je vous récapitule un petit peu la situation. On part pour une personne qui serait armée. Ce serait un acte terroriste.
Comment ils le savent, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ils ont engagé la BRI. Donc on va se dépêcher d'y aller là. Un kilomètre à parcourir encore. Le master, lui, va nous rejoindre sur la zone de l'intervention. On va se dépêcher. Ok, j'arrive bientôt sur zone. C'est sur le quartier de Mirror Park. Ok, c'est là-haut. Est-ce qu'il y a déjà des unités qui sont engagées? Allez, on se décarte. On s'écarte. Ok, les gars. J'arrive sur place, là. J'arrive sur place. Oh, c'est quoi, ça? Il est là, il est là. Ok, il est là, l'individu. Ok, il tire sur des gens. Très bien, les gars. Je vais bloquer la route ici. Ok, super. Allez, on se met à couvert, là. Oh, wow, 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 wow. Tout de suite, je stoppe le trafic. Il est où, l'individu, là? Il était là-haut. Ok. L'individu est pas très loin de nous. L'individu n'est pas très loin de nous. Ils sont où, là, avec le master, les gars? Ok, ils sont descendus là-bas, du coup. Ok. Je vais faire un truc avant. Il faut qu'on arrive à localiser l'individu et à le neutraliser. Hop. Je vais reprendre ma santé au maximum. Et puis on va s'engager. Allez les gars, on y va là, on est squad. Il faut interpeller l'individu. Il est passé où là? Ok, on recherche un homme armé les gars, avec une grosse armure. Ok, très bien, je vois rien pour l'instant moi. Là il y a des collègues de la police là-bas. Je vais demander tout de suite du renfort, hein. On va pas attendre de se faire tirer dessus. Je demande également le renfort du raid. Ok. Là-bas, il y a une victime. Il a tiré sur un homme. La victime est ici. Ok, bougez pas madame, bougez pas. On va tenter de faire les gestes de premier secours. L'individu est peut-être tout le jour dans les parages, hein. Alors on reste vigilant. On reste vigilant. Je le vois plus moi. Je le vois plus. Là c'est une traque, une grosse chasse à l'homme qui s'engage. Est-ce qu'il se serait pas barré par hasard là? J'ai bien l'impression qu'il se soit barré le mec, hein. Ok, il y a mon master là-bas qui vient d'arriver. Je vois mes hommes qui arrivent. Super. Ok. Allez, on continue d'avancer. Il est où là, l'individu? Il m'a semblé entendre bouger derrière. Ok, l'individu, il est plus là. Il est plus là. Il nous aurait déjà tiré dessus, je crois bien. Ok, il y a la police municipale qui est présente. Il y a les hommes du raid, la BRI. Ok, il y a un collègue qui prend en charge la victime. Eh les gars, c'est assez étrange là. L'individu, je ne l'ai plus en visuel. Il est très certainement parti. Mais où, je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vu partir moi, j'ai juste pris le temps de reculer, de me mettre à couvert. Ah, il bug plus mes gyros du Kuga police municipale. Ok, l'individu là je le vois plus les gars. On va aller faire une reconnaissance au niveau des pavillons là-bas. Regardez, il y a mes hommes avec mon avec le master qui est là-bas. Il y a encore du renfort qui arrive là, police nationale. On va mettre toutes les unités ici. Le master, je vais également le ranger un peu mieux. Histoire d'éviter de bloquer toute la circulation. Ok. Il y a pas mal de monde sur place là, les gars. Donc, briefing, on cherche un individu avec une grosse armure. Donc, on va progresser chacun de notre côté. Regardez toutes les unités. J'ai pas demandé tout ça, moi, quand même. On va aller voir au niveau des pavillons là-bas.
Ah, j'aurais bien été content d'avoir un petit drone, hein. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais bon. Peut-être pour la prochaine vidéo BRI, je m'équiperai de mon drone. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous tente, les gars. Là, on recherche toujours l'individu. De toute manière, là, il y a des patrouilles qui vont quadriller le secteur, hein. Parce qu'on peut pas laisser un individu comme ça dans la nature. Regardez, il y a je ne sais combien de policiers qui viennent avec moi. Il y a des unités de partout. Bon, bah, ce que l'on va faire là, les gars, c'est qu'on va clôturer cette mission à l'individu. Moi, bah, je n'ai aucune idée de où il est, hein. Malheureusement, on n'a pas réagi assez vite. J'aurais peut-être dû éviter de reculer. Mais le problème, c'est que si j'étais descendu face à lui, bah, j'aurais peut-être pris le risque de prendre une rafale et de perdre la vie. Donc là, malheureusement, l'individu est toujours en liberté. Mais une enquête va être ouverte. Et on va forcément le retrouver à un moment, je vous le garantis, hein. Il va pas s'en tirer comme ça, celui-là. Donc là, pour l'instant, toutes mes unités vont rentrer. Donc les gars, mes hommes, à moi, on va retourner dans les véhicules. Tous mes hommes dans les véhicules, tout de suite. Allez. Ok, j'ai tous mes hommes à moi qui sont dans les véhicules. Il m'en manque un. Il arrive, il est là-bas. Et puis nous, on va faire rentrer tout le monde. On va clôturer cette intervention. Malheureusement, ça n'a pas été un succès. Mais il faut savoir, les gars, qu'on ne peut pas toujours gagner à tous les coups, hein. Il y a des fois où l'on perd, hein. Regardez, les hommes du raid reprennent leur véhicule. Les policiers municipaux également. Nous allons nous mettre sur le bas-côté. Avec mes hommes. Nous sommes garés sur le côté. On va attendre que tous les collègues se retirent. Et puis voilà, malheureusement, fin d'intervention pour nous. Je demande les sapeurs-pompiers juste pour la victime. Parce que c'est vrai que je ne les ai pas demandé, je viens d'y penser seulement à l'instant. Le SAV se présente. Ok, le VSAV. Ok, la victime, elle est là-bas. Impeccable, ils prennent en charge. Bah, pour nous, la zone est sécurisée. Maintenant, c'est l'enquête qui va essayer de relocaliser cet individu. Allez, hop. Pour nous, fin d'intervention. On coupe les gyros. Oh là, voilà, faites gaffe, les gars. Et puis, les amis, nous allons rentrer tranquillement jusque la base. Oh! Oh! Attendez. Il y a des coups de feu là. Il y a des coups de feu, il y a des coups de feu. Les gars, il y a des coups de feu là, pas loin de nous. Ça veut dire qu'on a relocalisé l'individu. Ok, alors attendez, là on recherche. Je sais pas si vous avez entendu les mêmes coups de feu que moi. Waouh, ils sont fous, ils arrivent avec moi avec le. Je viens d'entendre des coups de feu, non? Tout le monde partait en courant. Ah, ça me déçoit là de pas retrouver l'individu. On va patrouiller un petit peu dans le coin là. On va marauder un petit peu par ici. Ah, ça m'embête quand même, hein, de pas retrouver l'individu. On va faire un petit tour par ici, là. On va rester dans le coin quelques secondes. Ouais, bon, bah malheureusement, les gars, je crois que l'individu, on va pas le retrouver tout de suite, hein. Il doit être retranché quelque part. Mais où? Et c'est bien ça le problème, c'est que là, moi, je ne le retrouve pas. Les collègues, eux, tournent également. Il y a eu des coups de feu, hein. Je suis quasi certain qu'il y a eu des coups de feu. C'est un échec. C'est un échec pour la BRI, cette première intervention. Ok, bon. Parfait, les collègues sont derrière avec leur Renault Master. Et puis on va rentrer tranquillement en direction de notre base. C'est parti.
dispatch. We are code 4. No further units required. Attention all units. Citizens report. Shots fired. Suspects are on foot in Palomino Highlands. Ok, super. On a reçu l'intervention, on la prend. On la prend en compte. Ok les gars, nouvelle intervention là. C'est juste à côté de nous, donc est-ce que c'est une attaque visée? Je ne sais pas. On part pour 4 individus qui seraient armés. Tous les hommes sont montés. Allez, on y va. On s'engage les gars, 4 individus armés qui seraient en train de tirer. Donc nouvelle intervention qui vient de tomber. On y va le plus vite possible. Oh là. Allez, on se dépêche, les hommes de la BRI prennent l'intervention là. Peut-être que nous allons cette fois-ci réussir à les interpeller. Ou malheureusement, peut-être pas interpeller, mais faire le nécessaire. Ok, ils suivent avec le master, les collègues, c'est impeccable. Ils sont où là? Ce serait là. Ok, très bien. Ok, on est pris pour cible, on est pris pour cible là. Ok. Wow, comment ils nous matraquent. Ok, ok, ok. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Hein. Ok, les gars. À tous les hommes, là. Wow. Ils sont... C'est quoi comme arme qu'ils ont, là? Là, c'est pas de la petite arme, là. Là, c'est du sniper. Hein. Wow, les gars, là, c'est tendu, là, c'est tendu. Ok, je demande tout de suite un renfort. Quoique non, on va s'en occuper nous-mêmes. Hein. Ok. Comment est-ce qu'on va s'y prendre là? Je suis obligé de me mettre à découvert à un moment. Ok, j'ai encore 120 balles. 120 balles. Les gars, je vais demander tout de suite un renfort aérien. Je demande tout de suite un renfort aérien. Parce que là, on aura du mal à s'en sortir. Hein. Ils sont trop chauds, les mecs. C'est pas possible d'avoir des armes comme ça. Mes hommes, ils sont même pas tirés dessus. Faut que j'arrive à les localiser, là, déjà. Oh, j'arrive même pas à les localiser, quoi. Ok. Ok, j'en ai vu un. Ok, j'en ai shooté un. Il y en a encore 4. Ok, les gars, il y en a encore 4. Il y a les hommes du raid en hélicoptère qui se présentent avec le dragon. Allez, on y va, on progresse. On progresse, les mecs, on progresse. J'en ai abattu un. Où sont les autres? Il me semble qu'ils étaient par ici. Il y en a un là qui a pris une balle hein, normalement. Hein. Ok. C'était par là les gars. Je sais que j'en ai shooté un. Ah ouais, c'est... Franchement, aujourd'hui c'est chaud hein. On n'est pas face à du petit joueur aujourd'hui. D'habitude, je suis habitué à des mecs pas très fut et qui savent pas trop manier les armes. Mais là, aujourd'hui, ils sont plutôt malins. Il y en a un qui s'est évadé ce matin. Et les autres, là, il y en a 3 qui se sont barrés. Un qu'on a réussi à shooter seulement. Où? Ah, ça doit être par ici. Il doit être par là. J'ai ramassé une arme. Il doit être par ici. Je demande les sapeurs-pompiers tout de suite, vous savez quoi? Et je stoppe la circulation, histoire qu'il puisse travailler en sécurité et tranquillement. Il doit être dans le buisson, le mec. Par contre, tous les autres, je n'ai aucune idée de où ils sont. Hein. Il y a le dragon là-bas. Bah du coup, les hommes du raid, là, en dragon, vous pouvez y aller, vous, on vous remet dispo. Ok, eux, ils repartent avec leur hélico. Les sapeurs-pompiers vont prendre en charge la personne que j'ai blessée par balle. Mais pour ça, il faudrait déjà la retrouver. Mais il me semble qu'elle est là dans le buisson ou par ici. Vu que j'ai ramassé une arme, elle doit être par ici. Bonjour.
Salut les gars. Voilà, fusillade, hein, des personnes blessées. Des membres de mon équipe aussi qui ont pris quelques balles. Hein. Ok. Allez, nous les gars, on va retourner au niveau des véhicules. Et on va se remettre disponible. Les hommes du raid, eux, quittent la zone. Regardez, ils partent avec le dragon. Tout de suite, avant toute chose, je vais déjà me remettre bien là. Au niveau de mon gilet pare-balles et tout. Me rééquiper tranquillement. Ok, c'est bon, parfait. On remonte dans les véhicules et on retourne au niveau de la base, les gars. Mais Giro, ils ont un petit peu ramassé également. Ok, allez. On remonte tous dans les véhicules. J'ai perdu aucun membre de mon équipe pour l'instant. Mon escouade est toujours au complète. Ils sont en train de remonter. Allez, on rentre jusque la base, qui est toujours juste à côté d'ailleurs. On a de la chance. Ils roulent comme des fous avec le Master. Ok. Ok, d'accord. Ils font appel à la BRI pour des personnes qui sont prises en otage, les gars, à l'aéroport. Donc on y va, on se dépêche. Tout le monde monte, les mecs, c'est parti, on y va, on se dépêche. Hop, ils sont bien là. Ils sont dans le Master, ils sont dans le Volkswagen. Et puis c'est parti, les gars, on part au niveau de l'aéroport pour des personnes qui prendraient en otage un groupe de voyageurs. On se dépêche. Ils ont encore réussi à se planter avec le Master. C'est pas des génies aujourd'hui, les gars. Allez, ils arrivent ou pas là? Ok, c'est bon. Ils arrivent. Allez, on se dépêche. On a 4 km à parcourir, les gars, pour arriver jusque l'aéroport. Toujours avec un véhicule 100% électrique. Hein, ça m'étonnerait que dans la vraie vie, il fasse aussi peu de bruit. Hop, toujours le véhicule des personnes de tout à l'heure. Et ben voilà, hein, j'espère que cette intervention-là va être un succès parce que pour le moment. Je crois pas qu'on soit à 100% de réussite. On est plus à 25 parce qu'on a réussi à abattre une des personnes qui nous tirait dessus. Ok, le Master il arrive, il fait sa route tranquille. C'est impeccable. On se dépêche, on a 3 km à parcourir également. Encore. Toujours avec notre véhicule qui fait zéro bruit. C'est pas grave. On a toute la ville à traverser là, les gars. Donc il va falloir être assez vigilant et assez rapide pour pas avoir d'accident. J'espère que les collègues vont faire de même, hein, parce que les connaissant, les loustiques, c'est pas gagné. Oh. Ok, est-ce qu'ils arrivent déjà? Yes, c'est bon, ils font leur route. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est 4 dans mon véhicule, donc si jamais ils arrivent pas tout de suite... Attendez, c'est où? Ah, c'est pas l'aéroport! C'est au niveau du port, d'accord, très bien. Je pensais que c'était à l'aéroport, parce que j'avais lu terminal. Mais en fait, non, c'est au niveau du port. Après, je me disais 4 km pour aller jusqu'à l'aéroport, c'est pas forcément dégueulasse, donc c'était peut-être ça, mais non. Ok, on va au port. Allez, on s'écarte, là, on s'écarte. Ok, dans 1,5 km, je me présente sur le lieu de la prise d'otage. Est-ce qu'il y a déjà des unités engagées? Je ne sais pas, je pense, hein. Parce que sinon, qui aurait demandé à la BRI? Ils sont où, là, les gars? Ah ouais, ils sont que là-bas. Oh, ils sont longs, ouais. Ça se trouve, ils m'ont plié le Master et du coup, ils roulent plus. Ok, je vois pas d'autres unités de police en route. Moi, j'ai croisé personne. Je n'ai ni croisé les gendarmes, ni la police, ni les sapeurs-pompiers. Ok, c'est tout droit. Ok, c'est tout au bout. Ah, c'est sur un bateau, je crois bien, les gars. Regardez. On va faire une intervention sur un bateau, là. Ah ouais, ça c'est ouf ça. Ok, allez, je me présente sur place. Ok, ouais, c'est bel et bien sur le bateau. Très bien. Les collègues avec le Master, ils en sont où là? On va les attendre avant d'intervenir. Je veux qu'il y ait mon escouade au complet. Ils sont là-bas, on a quelques secondes à attendre avant de monter sur le bateau là. Parce que je veux vraiment tous mes hommes avec moi. Donc on les attend. Ok, ils arrivent, ils sont juste là. Ils devraient être là d'ici quelques secondes. Super, ils sont là avec le Master. Allez, ils vont se garer derrière moi. C'est bon. Allez les gars, on y va, on descend là. On s'équipe, les armes. Ok, tout de suite. Je prends mon bouclier. Ok. Allez, c'est parti, on y va. J'ai mon bouclier. On y va les gars, on grimpe tout de suite sur le navire. À la recherche
des prises des mecs pris en otage. Ok. On est sur place. On recherche les personnes. J'ai toute mon escouade derrière moi. Ok. Ok, on bouge plus. Bougez plus, bougez plus. Bougez plus. Allez. Mettez-vous au sol, mettez-vous au sol. Mettez-vous au sol, mettez-vous au sol. Tout de suite. Mettez-vous tous au sol. Ok, tout le monde les mains sur la tête. On bouge plus. Les gars, on menotte tout le monde. On menotte tout le monde. Ok, j'interpelle. J'interpelle tout le monde. Alors pourquoi je menotte les personnes qui étaient prises en otage? Tout simplement car il peut y avoir des preneurs d'otages qui se soient mis, enfin infiltrés parmi les otages. Donc là, on menotte tout le monde. On fouille tout le monde. Et ensuite, on va faire évacuer tout le monde en direction soit des hôpitaux s'ils sont blessés, soit vers des cellules spécialisées. Donc là, on prend aucun risque. Je veux savoir ce que tout le monde a sur eux. Allez, tu m'interpelles ça, s'il te plaît. Allez, j'interpelle celle-là. On menotte tout le monde, là. Ok, super. Et ben voilà, l'assaut sur le bateau, il s'est bien passé. Je pensais qu'ils allaient être plutôt dans le bâtiment, mais en fait, non, ils étaient sur le pont. Super. Et ben ça, c'est parfait, c'est nickel. Hop, je vais ranger ça. Ok, parfait. Allez, palpation de sécurité. Vous me faites les palpations, les gars. Tout le monde m'en prend un. Je veux savoir qui sont-ils tous un par un. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a sur elle? Flashlight. Ok, très bien. Je fais la palpation sur lui. Ok, les deux là-bas, c'est bon. Lui, je vais savoir d'ici quelques secondes. Ok, il y a du tube sur lui, mais est-ce que c'est un motif? Moi, ce que je veux, c'est des armes, là. Tout de suite, voir quelles armes ils avaient. Ok, d'accord, ils sont là, les preneurs d'otages. Très bien. Ils étaient deux. Il y a du stup sur deux d'entre eux. Ce que je veux, moi, c'est faire une reconnaissance maintenant sur tout le reste du navire. Donc c'est parti. Maintenant, je vais progresser sur le bateau. On va aller voir dans le bâtiment principal. Ok, je vais aller voir là-bas dans le bâtiment. J'ai plus personne ici. Ici, c'est bon. Il y en a qui restent avec les civils et d'autres qui viennent avec moi, les gars. Ok, c'est la police. C'est la police. Allez, quittez la zone. Quittez la zone, on évacue. Quittez la zone, messieurs, là. Allez, 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 là. Quittez le navire. Quittez le navire tout de suite. Ok, les gars, on va monter dans le bâtiment. Pourquoi je peux pas? Ah, j'ai du mal. Eh ben, c'est pas facile aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il est ouvert le navire déjà? On va faire le tour. Ok, je n'ai plus personne. Hein. Je crois bien que tout a été contrôlé, évacué. On va monter voir ici. Ok, ça m'a l'air d'être tout bon. On va monter voir à l'étage. Avec le bouclier, bien évidemment, dans la main, hein, toujours. Hein. On est bon ou on ne l'est pas. Ok. J'ai mon collègue qui me couvre à l'arrière. Qu'est-ce que ça dit ici? Ok, les gars, je n'ai plus personne. Regardez là-bas, il y a nos beaux petits véhicules de la BRI. Là-bas, j'ai mes civils. Je vois mes collègues là-bas.
Là-bas, il n'y a plus personne. Ok, super. Allez, on va redescendre. On va redescendre, retourner au niveau des civils, les relâcher. Et puis, rentrer directement à la base. On va les laisser aux sapeurs-pompiers, les 4 civils. Enfin, même, je crois que je vais les faire évacuer en direction du commissariat, même les civils. Je ne vais pas prendre de risques. On va faire évacuer tout le monde avec des véhicules de police. Comme ça, ils vont être entendus sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et ce qu'on leur a fait. Et ce sera pas mal. Ce sera pas mal pour l'instant. Il n'y en a aucun qui s'est plaint d'être blessé. Donc, c'est nickel. Hop. Allez. Il y a encore lui, là, qui n'a pas évacué. Mais bon. Pour nous, la situation est figée. On a interpellé tout le monde. Je demande 4 police transport. Enfin, 2. Vu que je vais faire 2 et 2. Les gars, vous avez bien bossé. Intervention réussie. Le bateau est sécurisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Hop. Range ça. Eux. Hop. Non. Police transport. Tout suspect in one vehicle. Ok. Police transport. Tout suspect in one vehicle. Comme ça, c'est réglé. Nous, les gars, on retourne tous au niveau des véhicules. Voilà, c'est quoi cette sirène de ton pneumatique sapeur-pompier? Ils sont là-haut sur le bateau. On a interpellé, c'est sécurisé. D'accord, super. L'un sur l'autre, impeccable, en mode sandwich. Y a aucun problème pour vous, les gars. Là, c'est beau, ça, hein. Ok, allez. Moi, je vais ranger tout de suite mon bouclier. Hop, equipment, remove. Parfait. Je vais rappeler tous mes hommes. Et puis, on va rentrer en direction de la base. Allez, venez là, les gars, là, dépêchez-vous. Il y a les collègues qui vont prendre en charge les individus. Après, ils vont certainement être emmenés voir des psychologues, des médecins, faire des bilans de santé et tout. Savoir s'ils ont été blessés ou plus. Donc, c'est parti. Je vais attendre tous mes hommes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sérieux? Ils n'arrivent pas à descendre du bateau? Bah, c'est pas facile tous les jours hein, pour eux. Allez, nous, les gars, je vais attendre mes hommes. Et puis, on va rentrer tout de suite en direction de la base. Mais pour nous, ça va être la fin de cette journée au sein de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. J'espère que vous avez kiffé. Car moi, c'était un énorme plaisir de faire ça avec vous aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixis, prenez soin de vous et ciao, bye bye.